Bah, rebonjour à tous. Bon, là, on vous présente donc une nouvelle espèce. Donc, c'est des Elaphe climacophora. Donc, là, à droite, on a classique. À gauche, on a Albinos. albinos. Voilà. Alors, tu me disais que c'est quand même très rare de trouver de l'albinos aussi Bon, on grand. ne voit très plus. On en Très, voit très, très très, peu. très peu. Mais tu vas en faire de la repro, et en mâle et femelle. Donc, avis Et aux amateurs déjà. trois ans d'incubation actuellement. 3 ans d'incubation d'albinos? Ou. Voilà, donc. Ouais, les classiques l'ont foiré. Ah, c'est les risques de l'incubation, quoi. Et ça se trouve dans quel pays ça? Asie. En Asie principalement. Donc oui, c'est habitué à la température ambiante en fin de compte, comme ça quoi. Il n'y a pas besoin de les chauffer si, Si, si. comme un petit tapis chauffant. Ça fait quelle taille adulte à peu près? Là ils sont Un adultes mètre non? dix, non, non. Non, pas encore. Non, Enfin, 1 m 10 qu'on compte. ils sont, comme ils se reproduisent, ils sont proches de la taille. Enfin, ils sont adultes Ah, mais officiellement. c'est comme une butte, on va dire. Ils sont pas la taille adulte, mais ils sont adultes du fait qu'ils reproduisent. Enfin, suivant la législation française, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc voilà, donc 1 m 10 tu disais, adulte. Les femelles sont un peu plus grosses, mais bon. Et là il fait combien à Oui. peu près, tu penses? Bon, 1 m 10. Ouais, ils sont. 1 m 20. Là il a 1 m 20, ouais, donc oui, il a tout à fait 3 m 20. taille adulte en fait. On peut le dire. Voilà. 3 m 20. Voilà, donc. C'est un peu plus, une femelle, c'est un peu plus gros. Voilà, là c'est des mâles, donc. Oui, c'est vrai que les femelles, oui, bah, vu qu'elles font fondre des œufs, Mais là, on les a pas le père sortis il parce fait que, pas chier. on les a laissés un peu au calme. Voilà, donc on voit bien la différence, albinos et. Et les mâles entre eux ne s'attaquent pas ou? Parce que je sais que moi, ça. Là, ils ont l'air d'être vraiment cool, donc c'est vrai que moi, je suis parti. En tortue, ça. Les deux mâles, ça Il y a lac. toujours. Les lézards, ça niaque, donc c'est pour ça. J'ai jamais mis en Oui, c'est vrai que commun tu ces les deux mets mâles toujours. ensemble. Voilà. Quand on voit tes installations, c'est vrai que chaque serpent est dans son propre rack, sauf pour les reproductions, bien sûr, où tu les mets ensemble. Voilà. Voilà. Donc, bah, toi, tu mets toujours sur du linocel, hein, bien sûr. Avec une gamelle d'eau, un tapis chauffant avec un thermostat. Parce que le thermostat, c'est quand même vraiment quelque chose de très important. Sur ça, c'est Là, utile. comme on voit là, sur le thermostat double, voilà, bon, ça, même un simple, ça n'a qu'un seul terrarium, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est la sécurité avant tout, quoi. On l'a bien vu quand j'ai mis le petit tapis de 5 watts qui a chauffé ma boîte polystyrène avant la bourse de Laval. Voilà, Exactement. c'est qu'à 5 watts, Ça mais fond. ça m'a bien fait fondre une bonne couche de polystyrène. Donc il faut toujours être prudent. Alors là, tu mets pas des 5 watts pour eux, bien sûr, tu mets des Non. plus grands, donc imaginez un peu le Adapté dégât. au terrarium. Toujours. Alors c'est comme pour les gécolepars, un tiers du terrarium, non ou... Pareil. Pareil, c'est pour tous les. Enfin pour tous les serpents, c'est quasiment ça, quoi. Oui, Un tiers oui. de la taille du terrain. Pour faire bien point chaud et bien point froid. Voilà. Pas au milieu le tapis, bien sûr, d'un côté ou de l'autre. Hein. Il faut qu'il y ait un point chaud, un point froid. C'est le mieux. Donc voilà, bah là on voit des beaux spécimens quand même. Donc Albinos au début, quand on l'a attrapé avant de faire la vidéo, Il y a tout le monde qui vient à manger. voilà, elle attendait la bouffe. Résultat, elle s'est dit, bah non, bah merde, je vais passer sur YouTube. Bah résultat, maintenant elle s'attache à moi, donc je vais repartir avec. Hein. Ah puis on voit en plus sur l'albinos, on voit pas trop de lignes noires comme on peut voir sur le côté de la tête du classique. On voit que limite même les yeux ont l'air d'être plus gros. Sur l'albinos. Après c'est peut-être un effet qui fait ça. C'est C'est peut-être un peut-être effet. peut même une réalité, j'ai envie de dire. Moi, j'ai plus une réalité. Mais c'est on a l'impression quand même, voilà, on a l'impression qu'il y a deux différences. Alors que c'est les mêmes espèces, quoi. Les mêmes espèces, après, c'est peut-être la même, pas la même localité. Ah, pas de la même localité, c'est possible aussi. Après la génétique fait parfois des surprises Voilà. aussi. Après, les albinos, c'est peut-être une petite tare, on va dire, les gros yeux. Ah, c'est possible aussi, oui, avec la génétique, on n'est jamais sûr de rien. Et ça mange quoi dans la nature principalement Du rongeur. que du rongeur Peut-être des principalement? oiseaux, peut-être. Ouais, des petits oiseaux à ras de terre ou ça grimpe pas sur les. Moi, je dirais que c'est un peu semi-arboricole quand même. C'est semi-arboricole, donc ça peut effectivement grimper. Ça mange pas des œufs comme certaines espèces que j'ai pu voir. Non, Parce que non, ça pourrait monter dans les nids des oiseaux, manger les œufs, ou peut-être monter dans les nids pour choper les petits. non. Ça, Par contre, je sais pas. peut-être que les nids sont trop haut. Après, oui, il faudrait voir dans la nature. Mais là, après, quand on est en captivité, des fois on a des informations. Il faut savoir si elles sont bonnes, si elles sont fiables, qui les donne. Souvent, quand on sait qui les donne, on sait que c'est fiable ou pas. Après, il se peut qu'on ait constaté, enfin que la personne qui était sur place ait constaté un truc, c'est une fois que ça arrive sur 5. C'est possible aussi. Donc, ça, c'est pas un serpent non plus que tu conseilles aux débutants. Oh, si, ça, même si Ça peut. c'est un peu nerveux, pour les Bah, c'est un peu débutants, nerveux, mais là, quand on voit, elle a été énervée tout à l'heure. Et là, Les albinos sont il est calme, parce habituellement que. sont assez plus calmes que. Pour moi, ils sont plus calmes que les Que classiques. les classiques sont plus. Et encore, là, quand tu le vois depuis tout à l'heure, tu le prends comme ça, il est La pas femelle est un trop peu plus chieur. nerveuse. Ah oui, après, bah, c'est pour ça qu'on a pris les mâles, comme tu me disais, les femelles.
Même, les femelles en période de solde, tout ça, les chaussures. Non, je plaisante. Hein. Puis même, ils viennent de pondre. Voilà, comme ils viennent de pondre sur tout ça, on va pas trop les chercher. Il y en a une qui a pondu il y a pas si longtemps. Ouais, donc voilà, autant les laisser tranquilles. Elles se remettent de leur ponte. Une ponte par an ? Oui, une ponte par an. À peu près combien d'œufs la ponte ? Là, j'en ai eu 5 pour l'albinos. Et 3 pour la classique. Après, voilà, mais bon, après, quand même. 3 à 5. Voilà, entre 3 et 5 œufs par an. C'est pas des grosses. C'est pas folichon. Des gros œufs. Oui, alors on va vous les montrer quand même là en petite image, là sur le côté de l'écran, vous pouvez voir. Même plutôt en bas, parce que je suis quand même tellement gros que je prends avec ma tête la partie de... Donc on vous les montrera, vous inquiétez pas, vous verrez un peu la taille des œufs dans l'incubateur. On filmera quelques secondes seulement. Donc voilà quoi. Après, l'incubation des œufs, c'est combien de jours à peu près? 45 jours pour une... 45 jours? Ah oui, donc ça va, c'est... Après, ça dépend de la température du cube. Voilà. C'est un cube plus haut, c'est un, regarderai, ça met moins de temps et inversement quoi. Je regarderai quand j'ai mis la date de la ponte, on va bien voir. Ouais, après, c'est ce que j'ai vu. C'est 45 jours, c'est un cube en température basse, 50%. Voilà. On va bien voir, étant donné que c'est ma première ponte. Oui, vu que c'est la première ponte. Après, après, chaque ponte est différente aussi. Hein. Là pour l'instant c'est une pièce où tu régules quand même l'air, t'as pas forcément trop de chaleur. Moi je vois chez moi quand j'ai fait mes gécolés par l'an dernier, j'ai eu un pic de chaleur dû à la canicule et ça m'a fait accélérer mes œufs en maximum 46 quelques jours. Pièce. Voilà, maximum 26, donc voilà. Mais c'est plus aéré, moi j'ai plus chaud chez moi, tu vois, donc c'est plus étouffant. Après j'ai un extracteur d'air qui fait que ça régule tout ce qui est l'humidité, tout. Voilà, ça aide à réguler, donc c'est vrai que c'est pratique. Donc une quarantaine de jours, 45 jours. Ouais, voilà, 45 jours après avoir. Avoir la température d'incubation. Température d'incubation, moi je me fiais par rapport à ce que j'ai noté ouais, de la ponte et puis au moment de l'éclosion. Ouais, ça donne, après c'est que chaque ponte donnera, ça donnera près, un ordre de temps. Et donc ça, il faut un terrain de combien pour un serpent comme ça à peu près ? 1m20. 1m20 ? Oui, après, comme 1m20, mais peut-être un peu plus de hauteur, non ? Ouais, un peu plus de hauteur. Peut-être un serpent 60 de hauteur, ça fait ? Ouais, 60 par 60. 1m20 par 60 par 60, ouais. Peut-être un peu plus, même en hauteur. Après, ça dépend de l'animal de l'individu. Si l'individu grimpe pas trop, on peut rester à 60. S'il veut vraiment grimper plus, on peut monter à peu plus à 90. Voilà. Quoi. 80, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est plus tropical ou ouais Asie, hein, c'est plus. Asie, oui, de toute façon, Australie, c'est plus désertique qui veulent nous tuer. Et là, c'est plus du tropical en Asie, quoi. Avec des petits hémipénis pour les mâles. Enfin, préjugé, bonjour. Voilà, donc. C'est une sacrée hémipénis. Ah oui? Ah oui, j'ai vu la dernière fois. Ah bah oui, après. Bah après, si t'as l'occasion de les montrer, pourquoi pas. Ils sont trop raides pour. Trop raides aujourd'hui? Ouais. Puis ils sont un peu plus durs, adultes. Alors, pour ces bébés, c'est plus facile que ça. Ça veut pas se laisser faire. On verra avec des jus, 24. Donc voilà, serpent asiatique, assez facile de maintenir. Ouais, facile. Quelle température au point chaud à peu près? 28, oui, donc ça va, ça reste assez frais quand même. Contrairement à d'autres espèces. Bon, c'est vrai que c'est pas du désertique, donc c'est pour ça aussi. Mais ouais, c'est une belle espèce. En plus, là, on les manipule. Alors, à savoir qu'on avait démarré la vidéo, on a une panne de batterie. Ce qui fait qu'on a dû attendre que les batteries se rechargent pour refaire cette vidéo. Ils ont le temps de se calmer. Et au final, on les avait dans les mains pendant tout le temps où ça rechargeait. Et il n'y a pas de coup de speed, pas de tentative de morsure non plus. La mienne bougeait quand même, enfin, le mien bougeait quand même pas mal comparé au tien. Donc, c'est le contraire. D'habitude c'est le contraire, ouais, donc puis là quand on voit le serpent, à savoir qu'il faut laisser juste comme si on était une branche d'arbre en fait. On peut le retenir, c'est à nous de nous déplacer, hop, et je remets la main de l'autre côté et voilà. Tout simplement. Là il bouge pas, il est peinard. Royal. Donc c'est. Voilà, c'est pas le serpent agressif ou très défensif ou très capricieux. Voilà, ils ont leur petit caractère quand même. Bah, quand tu étais le chercher tout à l'heure, quand tu étais le chercher, c'était limite, il me réveille, qu'est-ce qu'il veut. Ce qui fait qu'elle a eu un petit coup de speed parce que ça l'a surpris. Mais au final, derrière. Ils ont croyé quand j'ai eu du nom. Voilà, bah, quand c'est l'heure de la bouffe. Voilà. Donc, sinon, dans l'ensemble, voilà, manipulation nickel. Elle se balade un peu, cherche à partir, à nous de la ramener. Puis, voilà, c'est bien pour un débutant qui veut chercher un truc original. Quoi. Original, voilà, pour. Pas qui trop peut être pour les débutants original. Et qui prend pas énormément de place non plus. Ouais. Et ça change des pitons régus ou des trucs de la gutte. Moi j'aime bien ce qui sort de l'originalité. Puis c'est. Voilà, c'est. Il faut sortir des sentiers battus, on va dire. Il y a tellement de belles espèces à voir que voilà. Donc c'était tout ce qu'on pouvait dire sur cette espèce en fin de compte. Oui. Principalement quoi. Bon bah voilà, c'est terminé cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Puis que bah au pire, si vous voulez des renseignements sur l'espèce, n'hésitez pas à contacter Sylvain via la page Tropical Reptile. Hein. Simplement, je mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez le contacter plus facilement.
Si vous êtes intéressé par des possibles repros au pire, et puis voilà, quoi, c'est, après, c'est, ou même avoir plus d'informations qu'on a pu en donner. Donc voilà. Bah, on se dit à une prochaine, et puis bah, à bientôt!